à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kevin on the Road. Et aujourd'hui, je me trouve à Key West, en Floride. Alors, ce que vous voyez juste derrière moi ici, en fait, c'est le Southernmost Point, le point le plus au sud, en fait, et qui se trouve à 90 miles de Cuba. Alors aussi à Key West, on peut découvrir le Mallory Square, juste derrière moi. On va aller le visiter ensemble. C'est le square de la ville. On peut trouver notamment le marché aux éponges, ce fameux marché aux éponges justement. Ouh. Derrière moi, il y a le musée des épaves. Et le musée des épaves, on va aller le voir ensemble. Shipwreck, ça veut dire épave en anglais. Et oui, je vous apprends quelque chose, peut-être, hein, je ne sais pas. Donc on va aller voir ça ensemble, on va même monter au-dessus de la tour pour avoir une bonne vue sur Key West et une bonne vue sur le marché en tout cas. C'est parti, on y va, c'est juste derrière moi, par là. On y va. C'est là qu'on suit les intervenants pour le musée des épaves de Key West. Ça commence bien, c'est parti. Alors la partie amusante, c'est que juste là, il y a une barre d'argent de 64 pounds, c'est son poids. Ça fait... Je ne peux pas vous le convertir, je ne connais pas la conversion. Je vous marquerai dans la vidéo quelque part autour de moi. Et voici cette barre ici, et je vais la soulever devant vous. Hop. On voit que ça pèse quand même son poids. Hein. Alors ça y est, j'ai fini la visite du musée. Maintenant, je vais monter tranquillement sur la tour qui va me donner une belle vue de Key West. On y va, allez, on monte, hop. Ça y est, je suis enfin arrivé en haut de la tour de Key West, la tour du musée des épaves. Vous voyez cette vue? Elle est magnifique. On a une vue sur l'océan Pacifique, le golfe du Mexique. C'est impressionnant, il y a plein d'îles au milieu. Que dire, à part que... Wow. Je suis à Westin, la marina de Westin, donc on retrouve des bateaux de croisière, on retrouve des petits bateaux de propriétaires et des bateaux de pêche aussi. C'est ici qu'on peut aussi faire de la plongée, c'est ce que je vais sûrement aller faire cet après-midi, c'est même sûr ce que je vais aller faire cet après-midi. Du snorkeling en fait, de la plongée, pas en bouteille, donc masque et tuba seulement. Et donc derrière moi, vous voyez cette longue rue avec les magasins de souvenirs pour touristes. C'est donc la marina de Westin à Key West. Alors ici, c'est Duval Street. Duval Street, c'est le centre névralgique de la ville. On peut s'éclater, s'amuser. Il y a les restaurants, il y a les bars, il y a les boîtes de nuit ici. Vous avez la police montée, vous avez tout, c'est sécurisé. Vous avez les clubs pour adultes. Alors là, j'en suis à mon mojito. Santé à vous. C'est du bien par un temps pareil, il est chaud. Ouais, ça fait du bien.